Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Tales of Zestiria. On se retrouve dans un environnement qui n'est pas un environnement familier. Nous sommes à Elysia, la patrie des Séraphins, mais elle a perdu tout son charme. Elle a été envahie par de la malveillance. On vient juste d'affronter un Hélion assez costaud. On a réussi à le battre du premier coup. C'est assez étonnant vu comme on était mal engagé. Mais là, je crains le pire en découvrant notre cité. Notre village d'enfance complètement ravagé. It looks like a battlefield. They must have become Hellions, losing themselves and turning on each other. How could this happen? It's possible they simply had the same thought that Heldolf also had back in the day. Elysia and Camlann are strategically valuable, right? But the war is practically over already. Which goes to show you how much some morons don't want it to end. But they're not the only ones responsible for this. There's massive amounts of malevolence pouring out from somewhere. Probably a sign that the seal my mother forged has been broken. Gramps, everyone, please be safe. On espère que tout le monde est sauf. On va aller voir ça. Et on espère surtout qu'il y a une boutique. Petite boutique, s'il vous plaît. Il y a déjà une auberge, mais c'est pas suffisant. On pourra rien acheter dans l'auberge. Je veux une boutique. Maison de grand-père. Mais il n'y a pas de boutique. Hein. Alors, on fait la sauvegarde, même si là, pour le coup, ça sert pas grand-chose. On peut rentrer dans la boutique. Wow, it's completely trashed. So, this was your house? Let's go. D'accord, donc on ne peut plus roupiller, donc il n'y a plus d'auberge. Ok. Et là, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boutique. Here they are. Something's wrong. Yeah, all these bodies of Highland soldiers, but no sign of the people who live here. You don't think everyone... Please, both of you, don't assume the worst. Yeah, they had to have gotten away safe and sound. You're right. Let's keep up the search. On va voir ça chez grand-père. Ow! It's a barrier. It must be something Zenra set up to prevent humans from breaking in. Gramps! It's me, Saray! Saray? Saray! You're back. Yes, thank goodness. Saray. Oh, thank goodness. I'm so glad you're all okay. Where's Gramps? He told us to wait here. He said that he was going to go drive out the humans. He went out alone in all this malevolence? I'm sorry. We should have been there with him. But even if we had, we would only have gotten in his way. We left him out there to die. Hey, like Lila keeps saying, reflection good, regrets bad. There's no way Gramps would fall so easily. Saray. I'll go find him. Kaim, everybody, stay right here. If everyone else was safe, Gramps must be too. Saray, j'ai ajusté la barrière mise en place par grand-père pour que tu puisses revenir quand tu veux. Si tu veux venir rendre visite aux habitants d'Elysia, tu es toujours le bienvenu. Oui, je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend quelque chose? Ah. Actuellement, aucune terre n'est épargnée par la malveillance. Elle a atteint les confins de notre monde. Je suis désolé, c'est moi qui devais protéger grand-père. C'est pas grave. Alors. Pourquoi les humains font-ils toujours ce genre de choses? Je ne comprends pas, et je n'en ai même pas envie. Saray, tu dois aider grand-père, je n'en ai pas la force, mais toi, tu es le berger. Grand-père m'a dit une fois que tant que Saray et Mikleo seraient là, nous n'aurions aucune raison de nous inquiéter. La lettre de grand-père. Saray, isn't that... I, Zenris, shall record the truth regarding the birth of the human Saray and the Seraph Mikleo here in writing. That's Gramps' handwriting. Both Saray and Mikleo are survivors of Camlann, the origin village where the age of chaos unfolded. Mikleo's mother is Muse, the younger sister of the late shepherd, Michael. Saray's mother is Selene, a citizen of Camlann.
I have been entrusted to the care of both of them by Muse, who managed to escape from Camlann. I closed off Elysia with my domain, and decided to raise both of them in an isolated place, separate from the outside world. As long as I live, I swear to protect these young babes as part of our family. It's the same memory that Maven showed me. Yeah. So that would make it right after Mautellus became a Hellion. Lila, isn't that around the same time that you first met Zenris? I see. So that would mean Gramps told her of the incident in Camlann and the start of the Age of Chaos. And so she earned the power to purify through the Oath and waited until the Shepherd appeared. I didn't know of their names back then. Is there anything else mentioned in there, Saray? I pray that these children, burdened with the tribulations of the era, shall still live in peace. But if... Saray? But if these children should challenge their fate and desire to create a new world, then may they receive the blessings of both humans and seraphim alike, so that their will for a new future may be fulfilled. So Gramps knew all along. He did. Eh oui, mais il nous avait pas tout dit en fait. Pipe de grand-père. Tiens donc. Attendez. Objet. Pipe de grand-père. Objet précieux. Lettre de grand-père. Ok. Ok, ok. On a bien fait de rentrer. J'ai toujours su que cela risquait d'arriver. Et pourtant, c'est le chemin que nous avons choisi, grand-père et moi et les autres. Je suis si content que tu sois venu nous aider, Saray. Tout le monde va bien ici. Va aider grand-père, je t'en prie. Sois prudent. On dirait que le commandant et les soldats sont contrôlés par quelqu'un. Ou quelque chose. Je pense que grand-père est parti vers les ruines. Elle renferme quelque chose qu'il doit protéger à tout prix. Est-ce vraiment la fin de notre précieuse Elysia? Non, je vais tout faire pour que non. J'ai toujours su que cela risquait d'arriver. Et pourtant, c'est le chemin. Voilà, j'avais déjà lu ça. Je n'aime pas ça du tout. D'abord Mason et maintenant. Si nous perdons grand-père, je ne sais pas ce que je ferai. Et tout le monde l'appelle grand-père. Bon, bah il n'y a pas de vendeur. C'est bien beau d'apprendre des choses sur son histoire, etc. etc. Mais il n'y a pas de vendeur. On va sauvegarder la partie rapidement. Oh. Where's the gate of the Dawn of Chaos that Gramps headed towards? There's only one place in Elysia it could be. Tiens donc. C'est elle. We can no longer tell how you will respond. And so, as you can see, we determined this to be the only remaining option available to us. You did this? Whatever plots you hatch, it doesn't matter. I already have my answer. Do you hate me then? Do you wish to plunge that sword into my breast? Where is Gramps, Simone? He went to the gate of the Dawn of Chaos to drive away the Earth dwellers flooding in. Though it's far too late at this point to do anything. Ah, je pensais qu'on allait l'affronter. Même pas. Même pas. Ainsi, tout va se finir là où ça a commencé. Dans les ruines du tout début du jeu. Bon, j'avais pas compris en fait que... Ah oui, c'est vrai. Sorry, I forgot it's past the prickle boar hunting grounds. I know how you must feel, but you've got to relax. En fait, c'est que je voulais sauvegarder. Si ça se trouve, je pourrais même pas revenir en arrière, c'est pas possible. Il me faut plus de potions. On peut pas réussir un combat avec si peu de trucs. Rune. Ah là, il y a de la malveillance, ouais. Là, il y a de la malveillance. Et ouais, on pouvait pas aller à gauche. On pouvait pas rentrer. On n'y avait pas été là où il y a les points d'interrogation. Effectivement. On va peut-être y aller maintenant.
petite sauvegarde. Voilà. Et là, je peux me téléporter. Ah. Oh oui, je peux. Ah, génial. Ah, ça, c'est nice. Whew. Alors, ici, c'est tranquille. Tout va bien. La vie est belle. Je suis allé du bon côté. Ah oui. Ah oui. Je sais pas si j'ai des sous, mais... Oui, je sais pas si j'ai des sous. Ah, si, j'ai des sous. Yes. Ça coûte une fortune. 30 000. Alors, divise par deux les dégâts subis par un allié ou un ennemi au combat. À utiliser de nouveau pour annuler l'effet. Ah, je peux pas en acheter masse. Hein. Alors, je peux peut-être en acheter 3. Alors, fiole sacrée. Fiole maudite, deck de topaz. Alors, est-ce que j'achète des trucs comme ça? Mais ça coûte cher. Hein. Puissance d'attaque non élémentaire. Le problème c'est qu'on ne sait pas arc-en-ciel. Non, pour l'instant j'en achète pas. Je regarde juste pendule de topaz. Piercing queue de lapin. Est-ce que j'achète des trucs comme ça? Bon écoutez, pour l'instant je vais pas le faire, je vais juste acheter ça. Par contre, est-ce que omnidiviseur c'est pas mal ça? Divise par deux les dégâts subis par un allié ou un ennemi au combat. À utiliser de nouveau pour annuler l'effet. Bon, je vais en acheter deux parce que je sais pas, ça coûte cher. Voilà, j'ai plus de sous. Mais je sais pas trop à quoi ça sert. Du coup, j'espère qu'on peut se re-TP hein, parce que sinon, Elysia, hop. Donc c'était pas Elysia que... Attends. C'était quoi? C'était ça? Oui, c'est ça. Ruine centrale devant le cratère. Non, on va aller dans la salle ronde. Ah, ça coûte pas cher, dis donc. Je sais pas si c'était cette salle-là. On va voir. Non, ah, je suis content qu'on ait pu quand même. Non, c'était pas cette salle-là. Ah, merde! As far as I know, this one looks more like an angel to me. So, is it really a Hellion? It is indeed. Is this my all? Et merde, du coup ça a pas sauvegardé. Il y avait pas de sauvegarde automatique. Il y avait pas de sauvegarde automatique. Oh, merde. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a mais one shot. One shot. Bon, je suis désolé, les amis. Du coup, il faut que je refasse les achats. Je suis désolé. Bon, ça va aller vite parce que là, on va pas perdre notre temps. On va pas perdre notre temps à... Voilà. Ah non, attendez. J'en avais acheté deux. Voilà. Et du coup, on repart. Sauf que, du coup, c'est plutôt ruine centrale que la salle ronde. Si je veux retourner au même endroit. Voilà. Et là, on va faire une nouvelle sauvegarde. Hop. Donc, où aller ? Moi, je pense qu'il faudrait descendre, en fait. Sur les côtés, là, pour aller dans le coin qu'on connaît pas. Hein. Salle ronde. Trouver comment accéder à Kamlan. Et s'il faut battre le machin, là, l'ange, là, je vois pas comment on peut faire. Hein. Parce qu'on se fait one shot. Ok. Donc là, on peut sauvegarder. Et là, on peut rentrer.
cœur des ruines du mont Mabinogyo. C'est bien par là qu'il faut aller. Oula. What is this? He was the one who brought in the soldiers. C'est what qui? A fool he was, right up to the very end. Muse. Ah, mais elle est morte? Non, elle est toujours vivante? C'est sa mère? Lila, quickly, heal her. Are you all right? I sense malevolence, but it's not too late if I still have my life to give. What are you doing? Don't try to move. Please, dear Seraph, I need to... I must do this. I want to give the world reason to hope, even should it cost me my life. But why? Because I believe that the children raised by Seraph Zenrus will one day grow to become a shepherd and his companion. I believe they will lead us to hope for the future. A bright future where humans and Seraphim can live hand in hand. And that is your answer. Please, my staff. Thank you. Muse! Farewell, Muse. I too believe in your wish. And I know it will surely come true. Thank you. Et que fait-elle? Mecleo. Elle a sauvé les gens. I'm so sorry. Elle s'est suicidée. I'm fine. Je suis pas sûr, moi, qui va bien, mais bon. Attendez. Je sais pas sûr qu'est-ce qu'elle a fait là. Just up ahead. And are missing Maltellus as well. Not to mention Catface. Let's get it on. Yeah. Everyone, let's do this. Ah mais carrément, on y va comme ça. Ah non. The prologue to the final act, huh? Lord Heldoth, my master. Can these people truly be stained with the colors you desire? But then, it is my job to see that they are. Il n'y avait pas de sauvegarde. J'espère qu'il y a une sauvegarde quelque part. Alors, objet. Non, pas ça. Équiper le bâton de Muse. Il est bien mieux. Il est bien mieux. On va faire une petite sauvegarde rapide. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Alors j'ai pas très bien compris pourquoi elle s'est suicidée. Hein. Elle a sauvé les gens qui étaient morts en fait. What? We were just. Yeah. Must be Simone. Definitely. I wonder what she's playing at. Let's stay on guard. On n'a pas d'indication, on n'a pas de plan local, on ne sait pas où nous sommes. On va éviter ces machins-là. On va éviter tous les trucs qui traînent parce que je ne veux pas consommer
De potions, je ne pense pas que nous puissions prendre des niveaux là, de toute façon. Et de toute façon, je pense que nous sommes très faibles. Ah, je peux pas aller par là. Il y avait un mur invisible. Là, il y a un truc. Bon. Niveau 57, toujours. Bon allez, Mikleo, t'as une super, un super bâton maintenant. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'utilise pas de, de potions, de machin comme ça. Ah, Rosette prend cher. Si tu pouvais la soigner. Si tu pouvais la soigner, Mikleo. Merci. Ah, quand même. C'est quoi cette musique? Ça a changé encore? Où est-ce qu'il faut aller? Là, il y a un mur invisible. Alors attends, on peut faire confiance à Sergei pour apporter la paix, nanana, ou chercher ce coin des Minous, la saison du hurlement, une sainte géniale. Ah, c'était une bonne chose d'enterrer Maivin à Logreen. Je pense que c'était parfait, si on discutait, nanana, on aurait peut-être un point de vue. Ah bah, je l'ai pas fait ça. C'est pas grave. Tout peut être une illusion, avançons prudemment. Je ne te le fais pas dire, attends un peu, tu es réel toi, moi. Je sais pas. Ça, on va l'éviter. Là-bas. What the crap? This is Simone's doing. Yeah. We don't have any time to lose. Let's blow through this one. You got it. On va se battre contre nous-mêmes. Je suis qui? Attends. Rose. Niveau 74, j'aimerais bien être niveau 74. 10 000 points de vie. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait être niveau 74 pour aller par ici? On n'arrivera jamais à les battre. Hein. Faiblesse à la brûlure. Résistance au feu, d'accord. Simone, this is pointless. Knock it off. Breakthrough! Vermilion Crescent! On lui a déjà fait très mal, disons qu'il résiste pas beaucoup, hein. Ah, par contre, c'est juste horrible de savoir qui fait quoi. Je vais être obligé d'utiliser une potion. Mais une petite. Does it not pain you to attack your comrades? Of course, it pains our hearts, but we won't let that stand in our way. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ah putain! Je vais crever. Mais putain, est-ce que je pouvais faire quelque chose? On est en train de se faire poutrer.
Et voilà, on est mort. Ah là 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 là, mais ça me gonfle. Ah, ça m'embête. On va réessayer une fois en mode normal. Par contre, on va manger un petit coup. Plus un d'artès quand vous montez de niveau, on s'en fiche. Plus un d'attaque quand vous montez de niveau. Chance d'infliger poison, plus 40%. Lenteur. Dégâts de vent, dégâts d'eau, dégâts de terre, dégâts de feu. On va peut-être prendre ça. Allez, on retente. Simone, this is pointless. Knock it off. But we won't let that stand in our way. Rain of fire! Rampaging jump! Blood moon! Vermilion. Putain, mais elle me gonfle, elle, à faire un. Oh là là! Mais on prend trop cher! On prend trop cher! Beaucoup trop cher! Et je peux pas la soigner, ça me gonfle ça aussi. Je sais pas pourquoi. Et je ne peux toujours pas. Et là je peux pas me protéger là. Là je me fais enchaîner, j'étais en mode blocage. Et je me faisais enchaîner. Donc vous savez quoi, on va mettre en mode facile. Parce que là, on se fait tellement enchaîner que si on n'y arrive pas en mode facile, il faudra que hors caméra, je reprenne une sauvegarde antérieure. Et voilà. Et voilà, et voilà, voilà. Voilà, j'ai confirmé. On va reprendre un consommable. Donc, c'est pas ça, c'est des gâteaux que je veux. Alors, dégâts de terre. Dégâts, effet de fatigue. Défense plus 8%. Tiens, allez, hop, on va prendre ça. L'effet actuel dégâts de feu réduit de 20% sera annulé. Ouais, on va faire ça. Allez, on est en mode facile. C'est notre dernière tentative. Et sinon, sinon je ferai une pause. Hors caméra, j'irai prendre de l'XP. Mais arrête de m'enchaîner, je ne peux rien faire. Mais ah purée, ça m'agace ça. Je suis en mode blocage et je peux rien bloquer. Et du coup ils sont quel niveau? 59 seulement en mode facile. Est-ce qu'il faudrait pas se concentrer sur Rose, celle qui a le moins de points de vie? Mais arrête de te faire enchaîner comme ça là. More creepy clones? Lame. Looks like you're running out of ideas, honey pie. This is just the beginning. Huh. Sounds like we were right on target. Allez, faut qu'on la finisse, elle. Ah, bordel. Ignite flames!
Je crois qu'on l'a eu déjà la première. Mode facile, c'est plus facile déjà. Allez. Alors, on va prendre un petit objet pour là, pour s'assurer qu'elle ne meurt pas. Bon, mode facile, ça va. Ouh purée, 57 000 galdes. Ouh, 10K XP. C'est bien, tout le monde a monté le niveau. Bon, écoutez, bon, voilà, on est passé en mode facile, j'avoue. Lila, it would be tough for a seraph to withstand this much malevolence without a vessel, wouldn't it? Huh? Yes, the seraph would have a difficult time wielding his powers. I thought so. I guess she's running out of ideas for what kind of illusions to make. Mm-hmm. Looks like it, but let's proceed with caution. Yeah, the most important thing is to keep calm in these kinds of situations. Ça me plaît pas du tout. Bon, on va faire une petite sauvegarde rapide, donc on va rester en mode simple. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais on va faire ce qu'il faut. On va essayer en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt les amis. Salut, salut !